Allo tout le monde, mon nom c'est Yvan Tuko, on est de retour avec une autre vidéo pour le projet Rester Actif, faire tomber les barrières. Aujourd'hui, on va faire du ski. On a commencé déjà à s'habiller. La chose la plus importante avec le ski, c'est d'avoir la combinaison idéale. Là, j'ai comme un vêtement à l'intérieur qui me couvre vraiment, ça m'aide à rester au chaud. Donc là, on a mon pantalon de neige. On va ajouter nos Je pense que toute ma combinaison me reste mes bottes. La chose la plus importante encore, c'est d'avoir une combinaison qui va marcher assez. Ma combinaison est comme une combinaison que j'ai achetée en ligne, mais avec moins de 100$ ou bien avec encore moins, vous pouvez aller à Value Village des Valeurs ou bien des magasins de seconde main pour trouver comme une jacket qui est vraiment appropriée. Un par-dessus en bas et juste des layers à l'intérieur qui vous gardent au chaud. La chose la plus importante, c'est de protéger votre corps pour que vous n'ayez pas froid quand vous faites du ski et aussi vos extrémités. Donc les mitaines, super important, les bottes, super important. Je mets toujours des chauffe-orteils ou bien des chauffe-meubles parce que mon corps est toujours froid et c'est vraiment important de rester en chaleur. Et dans vos commandes à Dollarama ou bien comme dans des magasins 7-Eleven, vous pouvez trouver comme des chauffe-mains et des chauffe-orteils. Ça vous aide vraiment, vraiment à garder au chaud. Ok, donc on va mettre nos bottes. Pour mettre les bottes, c'est un exercice qui prend du temps. Je suis encore en train d'apprendre comment mettre les bottes, mais là, vous allez comme mettre vos bottes, puis. Donc, on a notre combinaison, notre jacket, on a le pantalon de neige. Là, on va mettre des mitaines. Mais pour moi, je mets toujours des gants à l'intérieur parce que ça m'aide encore plus de rester au chaud. Donc, je vais d'habitude mettre comme des gants. Et puis, je vais comme acheter des mitaines qui sont un peu plus grandes. Je vais les ajouter à ma combinaison. Avant de mettre les mitaines, d'habitude, je vais mettre mon casque. Donc là, vous avez votre casque. Et puis, d'habitude, je vais aussi mettre mes lunettes. Mais aujourd'hui, c'est pas comme on n'en aura pas besoin. Mais vous voulez comme toujours avoir vos lunettes, surtout si vous êtes comme dans les grandes montagnes. Ça vous permet de garder une bonne visibilité et de vous protéger les yeux. Thank you.